Aladdin. Salut Olivier. Je suis content de te retrouver sur ma chaîne. On va prendre le temps dans cette vidéo improvisée. Je préviens, on a une condition de lumière exécrable dans mon Airbnb à Toulouse pour cette étape ici. On va prendre le temps, vu que tu habites dans le coin, de découvrir ton setup, de découvrir comment tu fonctionnes, comment tu compactes, comment tu empactes ton matériel dans mon... Tu compactes d'ailleurs ton matos dans ton sac qui est là, qui est relativement compact. J'arrête pas de dire compact, c'est incroyable. Mais c'est le but, hein, parce que le but de ce sac, c'est que je l'embarque en bagage cabine. Donc c'est très important pour moi d'avoir mon matos sur moi, donc le mot compact est important. Quel est ce sac? Ce sac, c'est le Lopro Pro Tactic 450 AW. AW pour All Weather, parce que dedans, on a une petite poche étanche qu'on rentre dans le fond du sac. On l'a souvent sur un sac, mais voilà. C'est vrai que ça mange pas de pain, ça prend pas beaucoup de place. C'est toujours pratique, ça rend pas le sac étanche, on peut le balancer à la flotte, mais ça peut nous sauver quand il pleut. Et donc ce qui est intéressant, c'est ce qui est dedans. En fait, c'est ce que Aladdin nous a présenté en fait à la rencontre abonnée de Toulouse. Il nous a présenté vraiment son setup pour être polyvalent en n'importe quelle situation. Il va pouvoir faire n'importe quel type de prestation vidéo avec ce qu'il a là-dedans. C'est ça en fait, c'est la force. C'est le but. C'est ça, et c'est ça que je voulais partager dans cette vidéo parce que je trouvais ça super intéressant. Donc regardez, il y a quelques petites astuces. On va découvrir du coup son matos à l'intérieur. Vous donner quelques infos utiles. Donc déjà ce sac, ce que j'aime bien, c'est qu'il est modulaire. On a un système d'attache ici qui permet d'attacher des accessoires un peu partout. Ici j'ai une pochette, ici je vais avoir un trépied, donc là en l'occurrence un GorillaPod, mais ça peut être également un trépied de voyage, hein. Là j'ai mis un GorillaPod en exemple. Et surtout ce que j'aime bien, c'est qu'il s'ouvre sur le dos, ce qui fait que cette surface là, bah, au final elle est jamais sale, et du coup quand je me rhabille, eh ben, je me salis pas. Donc il s'ouvre par ici, hop, il y a plusieurs points d'ouverture, mais la principale c'est celle-ci. Ensuite, on découvre le sac. Alors, je vais passer très rapidement sur les accessoires. Donc ici, on a une poche pour mettre un ordinateur jusqu'à 15 pouces dans ce modèle-là. Ou un iPad, j'utilise pas mal l'iPad aussi. Et bah, par exemple, une tablette, ouais. Tablette, tout ce que tu veux. Ordi, voilà. J'ai de la paperasse drone, ça je vous montre. Aladdin qui est télépilote professionnel de drone, il nous en a parlé pendant la rencontre abonnée. Très important d'avoir toutes ces choses-là sur soi pour les montrer à la gendarmerie ou quelqu'un d'autre en cas de contrôle. Très important. Voilà. Ensuite, ici, on a des accessoires de nettoyage, donc une petite microfibre, toujours utile. On a les batteries ici qui vont nous servir pour le boîtier. Ok. Hop, les batteries. On a ici, par exemple, des filtres ND pour le drone. On va avoir une pile de rechange pour le micro. Donc là, j'ai pas mal d'accessoires. Ensuite, on passe dans la poche principale du sac. Donc de la poche principale du sac, on commence par hop, le boîtier. Le boîtier. Donc le boîtier, c'est un A7R 3 que tu as gagné. Je le précise, je l'ai gagné au Satis en novembre. Incroyable. Après une chasse au trésor où il fallait chercher un peu des infos un peu partout sur différents stands, j'ai réussi à gagner l'A7R 3. Donc vraiment content. Mais j'avoue que si jamais je devais acheter moi-même le boîtier, j'aurais pris l'A7 3 qui me suffit amplement. J'ai pas besoin de ces 42 mégapixels. L'A7 3 m'aurait permis. Tu vas pas t'en plaindre, mais effectivement. Non, je m'en plains pas, voilà, c'est sûr. Donc dessus, tu as un 2470. Exact. 2.8. 2470, F2.8, G-Master. Alors les gens vont me demander dans les commentaires qu'est-ce que c'est que ça. Alors ça, c'est LensGuard en fait. J'ai trouvé ça sur YouTube, puis ensuite sur Instagram. Vous allez sur leur compte Instagram, LensGuard. En fait, ils ont différents straps. Là en l'occurrence, c'est un camouflage mat. Pour différents objectifs, donc ils ont à peu près toute la gamme Sony, okay, toute la gamme Canon. C'est pour strapper son objectif. Excellent. Ça le décor. Ah oui, d'accord. Hop. C'est hyper précis. Ouais, et c'était pas évident à étaler, surtout étaler un sticker dans une courbure, mais bon. Vas-y, remets rapidement ça sur le capteur. Je vais faire le bas, on sait jamais. Et à l'avant, tu as... Et à l'avant, j'ai... Alors, une première chose, ça, c'est pour protéger l'objectif. Donc, c'est Polar Pro qui fait ça. Donc, c'est un caoutchouc sur le côté, mais par contre, sur la face,
C'est assez solide, c'est costaud, c'est de c'est du plastique ABS. Ah oui, effectivement. Voilà, okay, donc c'est fait pour protéger en l'occurrence un filtre ND variable ici de la marque Hoya, donc c'est le 82 mm. Et il va bien sur cet objectif, et forcément si j'ai d'autres montures, enfin si j'ai d'autres objectifs, ils seront plus petits, j'ai des balles d'adaptation. Mais en tout cas, du coup, mon filtre ND, il reste sur place en général, et ça pour le protéger. Super pratique, parce qu'on a souvent le problème, nickel. En fait, c'est de pouvoir protéger son filtre avec le capuchon de l'objectif qui va pas du tout dessus. Donc là, du coup, c'est une super solution. Je connaissais pas, hein. Et je pense que, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je vais l'acheter dans 5 minutes. Et non, vraiment super utile. Ta cage. Ma cage de chez Small Rig. Donc, je la connais, j'ai la même, mais... Pour la 7.3, la 7R3, j'ai mis un petit coup de scie à métaux ici. Si, il a scié sa cage. Parce que ça me saoulait de ne pas avoir accès à mon C1, C2. Et en fait, vu que sur la 7R3, comparé à la 7.3, on a un bouton de verrouillage ici pour changer les modes. C'est vrai que c'était... Et donc, ça me demande plus de doigts, en fait. Ça me demande 1, 2, 3 doigts au lieu de 2 doigts. Du coup, la cage me gênait. Et en fait, elle me sert à quoi, la cage? Elle me sert surtout à protéger mon appareil. Et en plus, à déplacer ma griffe ici. Ma griffe sur laquelle je vais mettre mon micro. Je ne mets pas le micro au-dessus parce que vous verrez que sur stabilisateur, moi j'ai besoin de, par exemple, si je veux filmer à ras du sol, le micro va me gêner, du coup le micro est sur le côté, ça s'équilibre quand même parfaitement. Donc voilà mon boîtier principal. C'est une petite griffe ici que tu peux rajouter, Small Rig, qu'on peut acheter sur le site Small Rig. Voilà, c'est juste. C'est même pas 5 euros. La petite griffe supplémentaire qu'on visse sur le côté en fait. Exactement. On peut visser où on veut en fait. Ça, on peut utiliser là, on peut la visser ici, bien on peut sûr. Y visser sur le côté, etc. Moi, j'ai choisi ce côté-là. Ouais. Vous pouvez mettre si vous voulez, même un moniteur, etc. Donc voilà, avec mon couteau suisse, le 24-110, je fais à peu près tout. Que tu vas monter sur... Que je vais monter sur... Un magnifique... Mon stabilisateur de choix, donc mon stabilisateur que de choix. Que tu as gagné lors du... Non, c'est vrai. J'ai pas tout gagné à un moment donné. Donc c'est le Ronin S, hop. Donc franchement, le Ronin S, bon, je vais poser ça ici. Le Ronin S, j'en suis super content. Il est costaud, oui, il est lourd, c'est vrai, mais bon, je continue musclé, à aller au sport voilà. Pour ça. Non, mais il faut. Il pèse plus lourd que le Crane 2, c'est vrai, mais franchement, j'en suis super content. Le fait d'avoir l'écran dégagé. Il est hyper fiable, l'application est très bonne. Nickel. Tout, franchement, j'en suis super content et ta vidéo le prouve très bien. Mais toi, tu t'en sors très bien avec le Crane 2. Je lui reproche pas mal de choses et j'aimerais bien avoir le Ronin S, mais il faudrait effectivement que je m'habitue et que j'accepte d'avoir plus de poids sur le dos et plus de poids à travailler. Mais honnêtement, c'est comme les défauts que je trouve à l'ergonomie des boîtiers Sony. Au final, si c'est le prix à payer pour avoir cette technologie-là, je suis de plus en plus en train de me dire que... Et c'est ton corps qui va s'adapter. Hein. Et c'est mon corps qui s'adaptera, voilà, c'est tout. Je vous assure que l'A7R3 avec sa cage, le 24-70, pèse plus de 900 grammes, hein, déjà le 24-110. On l'a fait tester... Plus le Ronin S, c'est un des stabilisateurs les plus lourds. Je sais pas combien il pèse, le Crane 3. On l'a fait tester à des abonnés ici à Toulouse. T'as monté le setup. J'ai monté le setup, j'ai fait passer à tout le monde. Et tout le monde a dit que c'était très lourd. Tout le monde a fait le... Oh. Ensuite, tu as solution... Ensuite, solution, plusieurs solutions. Solution lumière. Boum, je peux sortir cette poche-là de Aputure avec dedans des torches LED, les AL-MX. Donc, je vais essayer de pas viser, sinon ça va surexposer l'image. Voilà. Donc, elles sont en métal avec des petites ailettes de refroidissement. Non, c'est du costaud. Hein. Je mets près du micro. C'est du costaud. Hein. Voilà. Incroyable. Le Ronin S porte également quand je mets la torche dessus. C'est lourd du coup aussi. C'est bien hein. Lourd. Hein. Voilà. Elles sont super fortes. Métal. On peut gérer la couleur ainsi que l'intensité, etc. Elle se recharge en USB-C. Ça aurait été pas mal de mettre ça en fait pour faire le setup lumière ici, tu vois, en rebond. Mais du coup, on n'aurait pas pu vous les montrer. Donc, on a une lumière du plafond horrible. Mais c'est pas grave. Parce que ça fait partie de mon setup, il faut que je le montre. Elles sont super. On l'utilisera plus tard si tu veux. On a des grilles magnétiques qui se mettent ici en diffuseur. Et ce qui fait que je peux filmer sans qu'on ait vraiment ce spot dans la figure. Et ça fait une lumière un peu plus diffuse et on se dit que bon, En fait, ce qui m'intéresse dans ton sac, pourquoi quand tu l'as présenté lors de la rencontre, je me suis dit que ce serait vraiment un sujet super intéressant pour vous. Parce qu'en fait, il y a plein de petits trucs que j'ai envie de m'acheter. C'est vrai. Ouais, voilà. Petite protection classique pour les cartes SD, hein, c'est solide, c'est anti-choc et c'est étanche grâce aux petits joints en caoutchouc. Je vais leur montrer qu'ils aient le temps de faire un petit plan dessus. Ah, voilà, super. Avec du coup mes adaptateurs de cartes micro SD, etc. Okay. Les cartes, elles sont dans les... Je vous mettrai des refs, les noms des produits dans la description parce que là on va un petit peu vite pour pas que cette vidéo dure une demi-heure. Mais voilà, je vous mettrai ça dans la description. Je présente rapidement ma solution à chain cam. Donc en ce moment je suis sur la Hero 7 Black. Donc franchement, la Hero 7 Black, moi j'en suis très content. La stabilisation hyper smooth fait des merveilles. Ouais. Hein. On a un super beau ralenti, que ce soit de la 4K 60 images par seconde, de la 1080p à 240 images par seconde, on arrête le temps. Franchement, j'en suis super content. Hero 7 Black, je ne vous montre pas tous les accessoires, les différents harnais, les attaches, etc. Vous connaissez déjà. Ça, c'est vraiment mon setup avec lequel je voyage. Si jamais j'ai besoin de ramener des accessoires, ils iront en soute, par exemple, si jamais je dois prendre l'avion. Ensuite, pour le son, hop,
on a ces deux pochettes là. Donc ici on a le Zoom H1, donc c'est un enregistreur externe. C'est un enregistreur externe donc déjà qui a un super son grâce à ses micros, mais aussi dedans on peut brancher une prise micro. Mmh. Ça par exemple je le mets dans une poche et dessus je vais brancher un micro cravate parce que j'ai pas de système HF pour l'instant. Donc ça par exemple quand je dois équiper quelqu'un à marier lors d'un mariage. Ça prend pas de place, c'est efficace, tu peux faire différentes choses avec. Exactement, et je synchroniserai en post-production, c'est pas grave. Ça me permet quand même d'avoir un super beau son, donc le Zoom H1. Et ici, c'est encore du Low Pro. On a dedans le Rode VideoMic Pro. Donc celui-là, il faut bien faire attention à l'allumer et à l'éteindre. C'est pour ça que vous avez vu la pile 9 volts, c'était pour lui. Dedans, un micro cravate. Pour du coup équiper ton petit H2. Voilà, exactement, le H1, pardon. C'est pas grave. Et ici, j'ai des accessoires, dont une rallonge jack qui peut être super utile. Par exemple, si j'ai envie d'accrocher le Rode sur le GorillaPod et que j'ai envie de déporter du son proche d'une bouche, par exemple, hop, je peux le faire sans souci avec cette rallonge. Donc, je sais que dans cette petite... T'as tout ce qu'il te faut pour le son. J'ai tout ce qu'il faut pour le son. Donc là, vous avez vu la lumière, vous avez vu le son, vous avez vu la prise de vue avec le boîtier principal, la Chunkam et maintenant le drone. Donc le drone de choix en ce moment, bah, c'est le Mavic 2 Pro. Hein. Donc c'est avoir un capteur de 1 pouce dans un drone pliable. Franchement, merci DJI d'avoir inventé ça, vous êtes des génies. Dedans, j'ai 2 batteries plus une, ça fait 3 batteries, donc je peux voler 1h30. Quand je suis en train de voler avec la troisième, la première est en train de recharger, ce qui fait que je peux tourner, etc. Ma radiocommande est juste ici. Donc là, au final, je peux prendre des prises de vue, que ce soit de près ou dans l'eau avec la Chunkam. Je peux filmer avec mon setup principal, la 7R3, ou je peux filmer en l'air avec le Mavic 2 Pro. J'ai mon stabilisateur, le Ronin S, j'ai ma lumière, j'ai mon son. T'as ton setup complet et voilà. C'est ça que je trouve bluffant dans un sac qui reste compact. On l'a dit en début de vidéo et j'espère que ça vous a inspiré parce que j'ai trouvé ça juste formidable et je crois que j'ai vraiment revoir ma façon de ranger mon sac après avoir vu le tien. Et j'ai des petits achats à faire. Franchement, je suis super content d'avoir pu t'inviter sur la chaîne pour présenter ta façon de travailler, ton sac, ton organisation, parce que je la trouve super inspirante. Et j'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a plu, qu'on détaille ça sur cette étape à Toulouse avec Aladdin du coup. Et j'ai hâte de revenir pour partager en fait des moments de tournage avec toi, pour voir ça en action. Bah, avec grand plaisir. Et merci aux deux cadreurs qui ont chié depuis tout à l'heure pour tenir la caméra à la main et vous faire ces plans-là. On va conclure cette présentation ici. Ouais. Je te remercie vraiment d'avoir été dans cette vidéo. Franchement, ça me fait super plaisir. Déjà, ça m'a fait plaisir de venir à la rencontre abonnée. C'était génial. Déjà, il a fait un super taf. Il les a préparés, ces rencontres. Merci Numérifote, encore une fois. Je pense que je l'ai dit plein de fois dans cette vidéo. D'ailleurs, Numérifote, c'est une super boutique à Toulouse. C'est chez eux que j'ai eu le sac. C'est chez eux que j'ai eu l'objectif. Le 24-110-28, ils m'ont fait un petit prix en plus pour Black Friday. Ils sont vraiment géniaux, Numérifote. C'est vrai que c'est une très bonne équipe qu'on a rencontrée aujourd'hui. Merci à Georges en particulier. Exactement. Voilà, on continue cette vidéo. Je ne sais pas par quoi pour l'instant, parce qu'on est encore demain à Toulouse. Je ne sais pas ce qu'on va filmer demain. Rien n'est écrit, mais j'espère que ça vous a plu. En route pour la suite de la vidéo. La deuxième étape de la rencontre de la tournée des créateurs, j'étais donc à Toulouse. Ouais, ouais, qui fait un peu plus de bruit que Bordeaux. On va voir ce que ça donne à Montpellier samedi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup à la boutique Numérifote du coup d'avoir sponsorisé cette étape. Merci Georges. Où est Georges? Là. Merci Georges. Voilà, Georges. Faites de belles photos, faites de belles vidéos et qu'est-ce qu'on dit à la fin? Ciao, chocolat. Merci.